la mort, elle existe que si la vie existe. S'il n'y a pas de mort, la vie n'existe pas. Et ça sert à quoi d'avoir peur de la mort, puisque la mort est une absence de vie. Pourquoi ? Ça sert à quoi d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas ? Moi, j'en ai pas peur. Hein. Putain, c'est merveilleux. Ça. Ah, mais c'est vrai. Moi, j'en ai pas peur. Moi, j'ai peur du passage. Je suis dit que la mort n'existe pas, la vie n'existe pas. Pourtant, je suis là. Eh ben oui. Mais s'il n'y a pas la, s'il y a pas la vie, il n'y a pas la mort. Et puis, c'est tout meurt. Tout meurt et tout vit. Pour qu'il y ait la mort, pour qu'il y ait la vie. Vu qu'on est en plein dedans, comment peut-on s'en sortir ? Par exemple, disant que rien n'est éternel. Moi, je ne vais pas m'en sortir tout de suite, moi, je vais me rebraser. Hein. Non, mais bon, le truc aussi, c'est comment survivre. Ouais, c'est de se dire, en fait. Et pour attendre la mort. Aujourd'hui, on vit. Si je ne vis pas, il n'y aura pas la mort. C'est présent. Oui. Il est en plein dedans. C'est scolaire. C'est bien, c'est alors, quand tu prends ta vie, c'est ça que je viens de dire. C'est quoi tes sujets? Les sujets de la vie. Les maths, tout ce qui est extrême, c'est le même principe. On met tout en cause. C'est quoi les sujets de la con que t'as? Le désir, le plaisir, le machin, le truc, c'est ça, à chaque fois. Et puis, rien, j'en ai parlé. Et puis, tu as. Le problème, tu vois, je vais te dire un truc. Jérémy. Jérémy. Tu veux que je te dise un truc, moi qui me gêne un peu, c'est qu'à force de se poser des questions existentielles, parce que ce sont des questions existentielles, je veux dire, on fait plus cas de notre existence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bon, et quelque part, on est des, un petit grain de sable dans tout l'univers, et je veux dire, bon, on sait que bon, on existe, on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a d'autres vies ailleurs, ça on ne le saura jamais. Et bon, le peut-être, truc, peut-être, ouais, peut-être. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut se préoccuper, de ce qui se passe sur Terre, dans la vie de tous les jours, dans la vie éphémère des hommes, plutôt que d'essayer de chercher en fait des trucs que l'on ne connaît pas. On ouvre notre gueule alors qu'on ne connaît rien. C'est déjà, bien. Déjà, donne à bouffer à ton voisin. Exactement. Ça déjà... Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis d'accord. Mais c'est d'ailleurs ce que Socrate a dit. Chercher, c'est... Je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. L'intérêt des citations, c'est de savoir en quoi elles te... comment elles résonnent en toi. Parce que figure-toi, on est allé à deux reprises à Vichy rencontrer des philosophes. Des gens qui ont lu des millions de bouquins et qui sont capables mais ici, de parler pendant 2 heures. Un tel dit ceci, mais oui, mais un tel dit cela. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense? Et la seule question qui pose, mais du coup, les mecs, la vie là-dedans, elle est. Personne. Ils savent pas, C'est exactement ce qu'on disait quand on les écoutait. Par contre, il y a des phrases clés. Il y a des phrases qui te font. Des points d'achoppement. Ouais, ouais. Par exemple, des choses que tu n'arrives pas à expliquer, que eux arrivent à expliquer en une phrase. Une phrase toute con, profonde. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, c'est le chemin qu'emprunte Dieu pour rester incognito. Ah, mais là, il dit dualisme. Ouais, c'est pas vrai. Oui. Non, mais cerne le truc. C'est pas pour philosophiquement, le concept de Dieu. Oui. J'ai une certaine. Oui, non, mais attends. Maintenant, Dieu, toi, tu lui donnes une. Dubitativité. Tu lui donnes une image. Non, à travers. Non, tu perçois ça, une image. Une raison d'être pour. Que les gens puissent justifier tel ou tel comportement. Non, tu ne m'as pas laissé finir. C'est ça, Dieu. Tu ne m'as pas laissé finir. Parce que pour toi, Dieu, c'est une résonance religieuse, quelle que soit la religion. C'est un Dieu de machin, de truc. Non, mais c'est humain. C'est la peur de l'inconnu, Dieu. Laisse-moi finir. Oui. Il y en a pour qui Dieu, c'est ni plus ni moins que ce que tu disais tout à l'heure, c'est la nature, c'est la physique, ce sont les lois physiques. Voilà. Bon, maintenant, tu lis des bouquins de ce célèbre chercheur canadien, je ne me rappelle jamais son nom. Hawkins? Non. Tu lis un bouquin comme Poussière d'étoiles. Reeves. Ouais, voilà. C'est génial. Tu lis Poussière d'étoiles et tu comprends tout. Et là, tu lis un bouquin comme ça, tu n'affirmeras jamais. Lui, est-ce qu'il va avec des mots simples? Voilà. Tu n'affirmeras jamais qu'avant la Terre, c'est tellement simple. Tu peux pas. Expliquer, mais tu peux pas. Voilà. C'est un astronome. Tu ne peux pas l'admettre. C'est pas ça. C'est que nous, on est tellement prétentieux qu'on ne peut pas l'admettre. Astronome, un astronome. On ne peut pas l'admettre. Tu as parlé de la galaxie, du Big Bang, tout ça. On est là avec nos mathématiques, nos chiffres. Il nous faut un début. Mais t'allais tellement loin dans sa maîtrise de la connaissance des atomes, des étoiles. Ouais, tu es arrivé sur Dieu. C'est super dur. Parce que sa limite à lui, c'était de se dire, au bout du compte, que Dieu n'existe pas. Ah ouais. Tellement il est allé loin dans ce raisonnement. Ça, c'est intéressant, mais à la base, c'est un sorti. Non, mais c'est un problème. Ça, c'est un problème existentiel, de toute façon. Savoir pourquoi on existe. Le problème existentiel, il est terre à terre. Sartre, c'est du. Il existe parce que le caractère. On n'est pas du sartrisme.
Pourtant, on dit sarcosisme et du sarcosisme. Sartre. L'existence. Lady Sartre, qui c'est qui l'est filmé? L'essence. Non, non. L'existence précède l'essence. J'avais son philo, ça ne veut rien dire. Non, c'est. Quel est ce genre de vulgaire? Non. Non, mais ça, non. Ça veut dire. Ça veut dire que je comprends rien. On entube. On balance ça maintenant, démerdez-vous. Eh ben non. C'est pas mon entube, moi, c'est tu mets ton mouchoir sur tout ce qu'on t'a dit jusqu'à maintenant et tu commences à réfléchir. Non, non, c'est ça. Je t'efface à tes questions à toi. Mais attends, il est jeune. Tu te l'as... Non, mais, non, mais c'est bien. C'est vachement odieux ce que tu viens de me dire là. Hein. Non, mais jeune. C'est jeune. À coup, est-ce que. Il se pose des questions cette nuit, hein? C'est péjoratif de dire des choses. Là, tu aurais dû citer le site de Corneille. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur atteint un point le nombre des années. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur. Change d'image, s'il te plaît. Jérémy, on n'apprend jamais autant que quand on pose des questions. Tranquille. Parce que ça sent toujours. À quelle heure fermer le midi? Eh ben voilà. Elle est jusqu'à ce soir. Elle est jusqu'à ce soir. Bah nous aussi. 21h, Cyril. Bon, bah super. Te mesurer à moi qui t'a rendu si vain, toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main. Bah, voilà. Les auteurs, le Cid, Jérémy. Ouais, le Cid, moi je le mange avec des crêpes. Je bois des crêpes. On est forcément à la bolée. Inapte à pouvoir avoir. T'as des jeunes qui ont des réflexions, tu regardes Pierre, le pianiste. Ouais. Ce mec-là, il a des réflexions scientifiques qui sont fabuleuses. Ah, mais lui, c'est son boulot, non, il bosse là-dedans. En plus, c'est son boulot, mais je veux dire, bon... Ça aide. Ouais, ça aide, mais je veux dire, bon, il a quand même que 24 ans, quoi. Non, mais il a une ouverture d'esprit. Regarde, le fils Sarkozy, il a 23 ans, il est déjà président de l'État. Ouais. Presque, c'est mal barré. Là, tu m'as coupé l'appétit. Qu'est-ce que tu disais, Marc? C'est pareil, Jérémy. Bon, chérie, ce soir, tu rentres à la maison, tu fais à manger, voilà. Monzès, elle va t'apprendre à ne plus poser des questions. Alors. C'est l'intérêt des choses. Je vais te faire gagner des années, Jérémy. Surtout, tu ne tombes pas dans le sarisme. Là, tu gagnes des points. N'écoute jamais quelqu'un qui te dit on va te faire gagner du temps. Parce que c'est ta vie. Non, parce que lui. C'est ta vie qui va t'apprendre ce que c'est. Parce que lui, il en a chié, alors il veut t'en chier aussi. Attends, j'ai une question par rapport à ça, quand même, par rapport au temps. Bien joué.